Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On vous souhaite une très bonne année et une très bonne santé évidemment à tout le monde. Cette semaine, petit best-of, on n'a pas pu le mettre la semaine dernière, c'était le nouvel an. Il y a deux semaines, c'était Noël, donc on le met maintenant. Ouais, on en profite pour vous remercier de tout votre soutien sur 2019, en particulier sur cette fin d'année où on a fait des vidéos qui changeaient un peu avec la crise de Val, le nouvel an. Exact. Vous répondez présent, les retours sont super, donc je pense qu'on va continuer une fois de temps en temps à faire des petites vidéos qui changent comme ça pour 2020. Et ça fait plaisir, merci ouais, beaucoup. Merci encore. On vous embrasse fort et puis on vous souhaite une bonne année. Allez, ciao. Hé hey, la star, 3 mois que je prends le bus sans payer de ticket, je me suis jamais fait gauler, tiens. Ouais, ça va, ma semaine sur Rennes, ça se passe bien. Et le chien, ça va, tu le gardes? Il va bien, tu t'en occupes bien? Ouais. Ouais, je t'avoue, ça m'inquiète un peu. Bah oui, tu sais, c'est ma bébête, hein. Ah bah, qu'est-ce que je ferais sans Titi? Tu veux me le passer ou quoi? Vas-y. Oh, oh, c'est qui on dit si? Ouf, oh, oh, quand on s'entend? Ouf, 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 oh, quand t'étais ce qui me vient de tout, quoi, là? Ouf, 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 oh, il est content, Titi. Ouf, 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 ouf. Ouf, oh, toi aussi tu me manques, oh là là, ouf. Bon allez, ah, je te laisse, je rentre bientôt de toute façon. Excusez-moi, je cherche la rue du crabe. Est-ce que vous savez pas où c'est? Absolument pas. Non? Tant pis, bonne journée. Contrôle d'identité, papier du véhicule, s'il vous plaît, les gars. Comment on s'est déjà vu, on se connaît. On se connaît? Mais oui. Ah, mais moi, il me faut, la pièce d'identité, les gars. Vous inachevez votre sketch. Oh, putain, vous n'êtes pas assez sur Rennes, les gars. Faut changer de ville. Désolé. Ah, il est là, votre... Ouais, ouais, oui, c'est oui, ça. Bonne journée, bon courage, les gars. Bon, ici, vous envoyez des collègues. Vas-y, pas de soucis. Ah ouais, ça gère, ouais. Bonjour messieurs, j'ai vu que ça roulait pas très droit, donc on va opérer tout de suite un contrôle d'identité. Ouais, salut. Allô? Ouais, c'est moi là. Tu fais quoi, sœur, du coup? Ouais? Ouais, d'accord. Bah là, je suis posé à Colombie, tranquille, je recharge mon téléphone. Ouais, ouais, ok. On se rejoint où, du coup? Ok. Ouais, mais qu'est-ce qu'il fait? Ça marche? Ok, ça marche. Non, je sais pas trop. Bon, c'est une caméra cachée. Excusez-moi, monsieur. Est-ce que vous savez fermer une tente de seconde? Est-ce que vous savez fermer une tente de seconde? Non, pas du tout. Bonne journée. Ça va, les gars, ou quoi? Il y en a pas un qui veut se taper, là? Un petit octogone, là, juste à côté, là. Un octogone. Il y en a pas un qui est chaud, les gars, là? Octogone, là? Bah, vas-y, je t'envoie le contrat par courrier, quand même. 50 000 sur la table, mon gars. C'était la caméra cachée, les gars. Allez, vas-y, bonne journée, les gars. Je suis désolé, je ne vous parlerai qu'en présence de mon avocat. Oh putain, je suis congelé! Qu'est-ce qu'il y a?
Elle me tue cette blague. C'est un avocat. Alors 260, si vous plaît. Ouais, par carte. Hop. Je me suis fait pucer. Un implant? Ouais. C'est quoi les écouteurs? Non, la manche? Non, je me suis fait pucer. L'oreille? Derrière l'oreille. J'ai pas choisi le meilleur endroit. Mais vous avez jamais eu ça? Non. Ça va être de plus en plus d'actualité. Ah ouais? C'est là? Mmh. Plus besoin de téléphone, plus besoin de... Putain, mais ça a vraiment marché en plus. Ouais, ça a vraiment marché. C'est un gadget ou une caméra cachée, quoi. Non. C'est cool, bah, j'avais vu que ça existait ça, mais... C'est bien implanté aux États-Unis, ouais. Mais là ça arrive en France. Ouais. Et si tu dois te le faire, fais-le au bras, quoi, parce que ouais. Derrière la tête c'est compliqué. Mais il y a quoi comme puce? Il y a quoi dans la puce? C'est une puce NFC, une sans contact, ouais. comme tu trouves dans les... Alors ça sert à quoi par les paiements? Carte bancaire, carte de bus aussi, tout ce qui est sans contact en fait. Ouais, mais par exemple, t'es dans le métro, t'es obligé de faire comme ça? Ben malheureusement, j'ai mal choisi mon endroit, mais sinon, ouais, je suis obligé de me baisser. Faut la faire enlever, arrêter? Ben ils m'ont dit que c'était définitif. Tu peux pas la faire avec... Alors, je peux en mettre une ici, mais ça me ferait chier d'avoir deux puces. Excusez-moi, mesdames, je cherche le magasin Atoll. Derrière vous. Juste là derrière vous. Où ça? Sur votre gauche. Bougez pas. Voilà. Avance. Non, non, non. Bon, c'est une blague. Où ça? Et par là. Et par là. Ok. Ici. D'accord. Voilà. Bougez pas. Non. Non, non, non. Allez-y. Merci bien. Bonne journée. À vous aussi. Bonjour messieurs. Est-ce que vous savez où on peut trouver de l'herbe? Oui, ça peut être amusant. Amusant. C'est véhicule, ce que vous venez de dire. Pardon? Si vous voulez, on vous embarque. Donc, bon, non, vous... On m'embarque? Oui. Avec ce que vous venez de dire, oui, c'est une incitation. Bon, non, une incitation? Oui. On parle de quoi? Je vais trouver un petit brin de pelouse, un petit coin d'herbe. Parce que là, il y a pas mal de sable. Et là, c'est pas mal du pavé. Je voulais savoir où est-ce qu'on peut trouver de l'herbe, quoi. On va aller à l'ombre à discuter deux minutes. Okay. On peut plus trouver un coin d'herbe tranquille maintenant. C'est incroyable. On va se mettre ici à l'ombre, on va être bien. Allons-y. Vous avez vidé vos poches. Vous prenez votre casquette, vous videz toutes vos poches, vous mettez tout dedans. Vous allez vous tourner. Vous avez les bras vers le ciel, en croisant les bras vers le ciel. Tendu à l'horizontale. L'horizontale, là, c'est vertical. Vous avez foncé sur vous? Malheureusement, non, mais c'est bien dommage. Retournez-vous. Donc là, vous ne pouvez pas utiliser votre identité, on est bien d'accord. Ouais. Donc vous savez ce que c'est la procédure. On vous amène au poste, on vous présente un outil de police judiciaire, 4 heures pour établir votre identité. Tiens, excuse-moi, t'as fait tomber ça? Non. C'est la clé de mon cœur. Oh, là. Pars pas. Non mais c'est pas possible. Pars pas, je t'aime. J'adore. C'est en vrai, il est super sympa. Excusez-moi, Gigi plus Fifi. Hein? Gigi plus Fifi. Je cherche Plus Wilson. Ah, Plus Wilson. Plus Wilson, en fait, tu vas tout droit. D'accord. Tu vois où est la place du Capitole? Place du Capitole. Comment? Place du Capitole. Ouais, place du Capitole. En fait, là, tu vas tout droit. Et c'est simple, tu vas toujours tout droit. Voilà, là, tu prends pas à droite ni à gauche, tu vas tout droit. Une fois que tu es place du Capitole, tu vas tout droit. Toujours tout droit. Et là, tu auras la place Wilson. Donc c'est C'est ça. Salut. Avec plaisir. Bonjour.
Ouais. Putain, ouais, t'as vu le dernier épisode, y'a Tyrion qui est mort, mon pote. Ouais. Salut. Tiens, c'est pour toi. Prends, vite. Ouais, c'est moi, ouais. Putain, ouais, je suis dégoûté. T'as vu l'épisode, y'a Tyrion qui est mort, mon gars. Ouais, je suis dégoûté, putain. Non, c'était juste une petite caméra cachée. La caméra était juste là. Tyrion, il est pas vraiment mort. C'est, non, juste, c'est... Une petite... c'est juste une blague. Yes. Ah, bah, merci. Salut à tous les amis, je me baladais au bord de la Garonne. Regardez ce que je trouve par terre. Des déchets à 1 mètre d'une poubelle. Donc c'est pas pour faire le moralisateur, mais un petit geste pour vous, c'est un grand geste pour la planète. Voilà. À partir du moment où vous voyez un déchet, il faut savoir que c'est votre déchet. Bref. Passez une bonne journée les amis. Faites comme moi, la planète avant tout. Ciao. Je suis mort. Bonjour monsieur, tenez pour vous. Faut qu'il le lise, putain, faut qu'il le lise. Monsieur, excusez-moi. Oui. Est-ce que vous savez où c'est la plage La plage de quoi? Là, c'est centre. Ouais, mais la plage nudiste. La plage nudiste, ouais. Ah, c'est pas nudiste. Tu peux te mettre juste là-bas au coin, là. Tu te mets au walpé. J'ai de la crème solaire, hein. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais c'est pas vrai, mais... Moi, tu sais, les petites femmes nues. Ouais, mais... Ah, ouais. Là, je leur mets de la crème solaire. Je te mets dans le cul, la crème solaire. Allez, on est bras. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est soit à droite, soit à gauche. Mais il faut aller hyper loin. Non mais faut aller hyper loin. Hein. Pour voir un cul, faut aller hyper loin. Ouais, on est arrivé. C'est pour le gars, je ne casse pas les couilles, va voir le champion. Je te casse pas les couilles, je te demande la plage nudiste, gros. Non, c'est Montalivé. Montalivé. Je veux mettre de la crème solaire sur des culs. Montalivé. Montalivé, c'est où? Ah putain, c'est là-bas, mais t'as 40 bornes. Ok, tu peux m'emmener? Ah non. On va mettre de la crème solaire, gros. Bonjour. Tenez, c'est pour vous. Est-ce que vous prenez le nouveau sans contact? Ouais. Alors oui, c'est bon. À partir de 1 euro, il n'y a pas de souci. C'est parfait. Je vais demander, vous me payez en sans contact avec une bouteille? Ouais, c'est du liquide sans contact. Ah, c'est liquide sans contact? Ouais. Donc en fait, à chaque fois que je dépense 1 euro, en fait, c'est une bouteille d'argent. Et à chaque fois que je dépense 1 euro, je dois boire une gorgée. D'accord. Enfin, une gorgée, un quoi. Un concept assez intéressant. Ouais. Donc là, je bois bien deux... C'est la première fois que vous voyez ça? C'est la première fois que je vois ça. Ça me dit strictement rien. Donc la première. Deuxième. Donc là, il doit me rester 25-26 euros. D'accord. Vous calculez votre compte. Waouh. Ah oui, d'accord. C'est la première fois que vous voyez ça? Mais c'est tout nouveau. D'accord, c'est une façon de vendre de l'eau. Je sais pas, je connais, c'est très bon. C'est incroyable ce truc-là. C'est un portefeuille toujours en liquide en fait. Exactement, en fait il y en a qui payent en liquide et ils ont lancé du coup le liquide sans contact. Je pense qu'il y avait un jeu de mots par. Et donc ils créditent une bouteille en fait. Exactement. C'est incroyable ce truc-là. Ouais. Ok, je retiens. Alors ça c'est. Vous allez en voir de plus en plus, je pense. Ouais. Mm-hmm. Ça me laisse incrédule quand même, tu vois. Waouh, ok, bon bah super, je t'espérais.
Pas de soucis. Jeff, on va faire bloc, on va tous aller voir la direction. Hein? Surtout pas, malheureux. Je suis chômeur, Monnier. Je suis au chômage. Ça va, les gars? Ça va. Je viens de me faire virer, moi. Ah. Je suis chômeur. Ah ouais? Au chômage. Bah, dommage. Hein. Mais non, pas dommage, Monnier. Je suis chômeur. Le rêve d'une vie, je suis chômeur, de Dieu. Tu te rends compte ou quoi, toi? Je suis chômeur, les gars. Mais nous, on aura des petits. Mais c'est pas moi? Sur la tête de ma grand-mère. Non, c'est pas moi. C'est faux, ouais. Je te promets, mais j'ai rien fait là. Oh, t'es dégueulasse. Mais c'est pas moi, je suis privée. Oh, j'ai même pas senti, j'ai rien fait. Sur la tête de ma grand-mère, t'es dégueulasse. Mais j'ai rien fait. Oh. Mais je te promets, j'ai rien fait. J'ai même pas senti. Ah, mais c'est ma voiture, c'est pas moi. Ah, c'est tout. Je suis dans la tête. Ah, je te retiens, t'inquiète. Oh là, il s'est pas moi. J'ai jamais entendu un truc comme ça. Mais c'est pas moi, mais j'ai même pas senti, c'est pas moi là. C'est toi, ah, c'est toi. Oh, ah, c'est toi. Oh, la mytho. Ah, ouais. Mais j'ai rien. Aïe. Ça pue même pas, c'est toi. Je sais pas si c'est toi qui pue. C'est pas moi. Mais c'est pas moi, je te promets, c'est qui? What the fuck? Attends, c'est de ma soeur. Mais il y a une enceinte en dessous, c'est pour ça. Il y a quoi? Il y a une enceinte. Bonjour. Bonjour monsieur, je vais prendre une tranche. Vous avez dit quoi? Une tranche. Une quoi? Mais vous êtes bouché ou quoi? Ouais, exactement. Vous êtes bouché. Il me tue le con, il me tue putain. Hop, oh, Laura! Oh, merci, madame. Oh putain, vous êtes. Oh putain, merde! Ça va ou quoi? Je cherche le jouet club, s'il vous plaît. Tu connais pas? C'est une petite caméra cachée. T'es un gamin! Ah oui, je suis un gros gamin. Non, ça va. Bonne journée. Bonjour. On cherche son deuxième tome un peu partout, mais je le trouve pas du tout. C'est quoi que tu lis déjà? 59 degrés. 50 millions de degrés à ton âge. Oui, j'ai adoré le livre et aussi les coups de ceinture. C'est mon passage préféré. Après, ça va être James, l'auteur, ça va être Henri. Ouais, c'est clair. Pas. Le comité de campagne. Oui. Comité de campagne. Oui. C'est ça? Allez-y, oui. C'est le dame qui dit. Je prends des notes quand vous parlez. Allez-y, prenez des notes. Allez. C'est pourquoi en fait? Je synthétise tout ce que disent des gens. Fait... D'accord. Non, mais ça, c'est en demande de qui vous faites ça? Là, c'est vraiment pour mon plaisir personnel. Ah ouais, je viens dans la discussion des gens prendre des notes. Pour plaisir personnel, vous allez après filer vos notes à qui? Ah là, c'est vraiment, je synthétise tout ça, je mets ça sur un bloc-notes. Ah ouais, voilà, ouais. Non, et après, on met ça. C'est prendre la mairie de Rennes, en fait. Hein. Prendre la mairie de Rennes, d'accord. Macron, on a dit quoi? Non, mais là, je ne dis rien parce que. Votre truc, non. Parce que. Hier, on a fait une boîte mail dans un conseil de quartier. D'accord. Là, on a fait la boîte mail et puis les gens, on a diffusé des conneries. D'accord. Hein. Alors moi, les conneries, c'est niette. Donc les conneries, c'est niette, vous voilà, avez dit. Ouais, vous dites les conneries, c'est niette. Ah non, mais moi, c'est... Non, mais...
nous demande pas notre avis, il faut qu'on y passe. Tiens, regarde-moi. Bonjour les filles, je cherche l'Arc de Triomphe. Pour monter la rue jusque là, il est là. Donc je fais quoi? Je fais droite. Ouais, ça veut dire ça. C'est de la merde. Devine qui c'est. Devine qui c'est. Ah bah je suis perdu. Perdu. Excusez-moi. Bonjour monsieur, je vous arrête deux petites minutes parce qu'il y a trop de pétitions en France. Donc je fais une pétition contre les pétitions. Qu'est-ce que vous en pensez vous? Parce que souvent les gens déblatèrent leurs textes qu'ils ont appris en 5 minutes. Je suis d'accord avec vous. Je suis totalement d'accord avec vous. Parce que il y a trop de pétitions en France. Je signe des pétitions sur Internet. Sur Internet, j'en signe beaucoup. Et donc la rue, il y en a trop. Parce que souvent, on se fait arrêter dans la rue. Et c'est inacceptable. Quand on marche d'un point A à un point B, on ne veut pas se faire emmerder par un mec qui fait signer des pétitions. On est d'accord? Ça dépend laquelle, c'est tout. Et si c'est une pétition contre les pétitions, vous en pensez quoi? Non, je ne suis pas d'accord. Bonsoir les filles, je cherche la place Hoche. Ouais, la place Hoche. En fait, tu vas du coup toujours tout droit. Tu remontes tout. Et après... Tu vas à gauche. Ouais, voilà. Ouais, exact. Ouais, c'est ça. Ouais, bonne soirée, salut. Bonjour. Pardon ? Deezer gratuit pendant 3 mois, l'application pour écouter de la musique. Donc c'est gratuit pendant 3 mois. En fait, oui, c'est ça. Alors en fait, vous allez scanner le QR code qui est juste au dos, vous allez sur le site. Okay. Et après, vous signez des indications. Puis au bout de 3 mois, vous. Mais c'est gratuit. Pour pas payer en fait, tout simplement. C'est gratuit pendant 10 heures ou pendant 3 mois? Pendant 3 mois. 10 heures, c'est le nom de l'application. Et 3 mois, c'est quoi? 3 mois, c'est le temps que vous pouvez utiliser cette application gratuitement. Et 10 heures? 10 heures, c'est le nom du logiciel. Il y a un logiciel qui s'appelle 3 mois. Non. Vous avez l'application 10 heures. Que vous pendant avez... 10 heures? Non, 10 heures l'application. Pendant 3 mois? Oui. L'application s'appelle 10 heures. Oui, mais et pendant là, combien de temps je l'ai gratuit? Pendant 10 heures? Vous l'avez gratuit pendant 3 mois. 3 mois et 10 heures? 3 mois. Et 10 heures? Non, 10 heures c'est le nom de l'application. Excusez-moi, je dis rarement ça, mais vous avez un truc dans les cheveux. Pardon? Ouais, vous êtes pas rendu compte? Non. C'est incroyable. Hop. Vous n'êtes pas rendu compte? C'est nouveau. Bah oui. Je sais pas où j'ai pu choper. Vous étiez comme ça. Bonjour les filles. Bonjour. Vous êtes magnifique et tu ressembles beaucoup à ma mère. Est-ce que ça te dirait d'aller boire un verre ou pas? C'est pas la meilleure approche. Ma mère est très belle. Non mais c'est pas la question. Mais tu veux aller boire un verre avec ta mère en fait. Avec ma mère, mais plus jeune. Ouais, bah, c'est toujours pas la même approche. C'est pas la meilleure approche. Non, j'aurais pu dire quoi? Bah, tu ressembles à ma mère, c'est rarement une bonne idée. Ça marche pas. Mais vous avez pas vu ma mère, c'est pour ça que vous dites non. Ça. Non, mais non, mais après, ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu, donc... Alors, on va retourner. Oui. Désolée. Mais c'était gentil, bon, bah... ce compliment, me comparant à ta mère. Au revoir, maman. Au revoir. Bonne journée. Comment ça va les filles? Excusez-moi, je dis rarement ça, mais vous avez un truc sur la tête. Hop, je vous l'enlève. Ouais. Sérieux? Ouais. Comment ça se fait? Bah, il était accroché. Tenez. Il était accroché? T'as pas été dans un... Non. C'est improbable. Et tu l'as pas senti? Non. Parce que ça fait son poids quand même, hein? Ah bah oui, quand même. C'est pas une blague. Ah non, c'est pas une blague.
Ah non, non, vraiment pas. Mais sérieux? C'était collé à la tête là? Bah c'était accroché quoi. Mais j'ai rien sorti, mais j'ai pas... J'ai resté là. Bah moi aussi. J'ai pas d'explication, je te le rends quand même parce que... Je t'ai dépanné et... Je t'ai dépanné, je te le rends quand même, je vais pas le garder. non, mais c'est improbable que je le garde. C'est gentil. Allô? Ouais, c'est moi. Putain! Je viens de me faire chier dessus par un pigeon. Salut les mecs! Ça va? Ça va et vous? Vous êtes plutôt beau gosse, hein? Vous faites quoi ce soir? Attends, tu fais quoi? Bah, t'es plutôt pas mal. Mais t'es un malade, toi, tu m'as pris pour un PD en fait. Parce que? Bah, je sais pas, tu crois que je suis gay, moi? Je sais pas, t'as déjà essayé ou pas? Mais non. Vas-y, bouge, non. Je suis sûr que tu kifferais de ouf. Mais t'es un malade. Oh, je vais t'en envoyer. Allez! Non, mais attends, tu viens nous. Hey. Oh, tu viens nous parler pourquoi? Tu me fais ça, tu fais quoi là? Bah, vous êtes beau gosse! Mais vas-y, bouge de là! Hé! Hey. Ça va? Tu veux jouer avec moi? C'était pas elle qui fallait faire ça. Excusez-moi monsieur, je suis vraiment gêné de dire ça. Vous avez juste un truc sur la tête. Je peux vous l'enlever ouais, ou pas? C'est quoi? Bah, j'ai vu des jeunes jouer avec tout à l'heure. C'est peut-être. J'ai vu ça sur la tête? Ouais. Je m'en rendais pas compte, c'est incroyable. C'est... Parce que j'ai vu des jeunes jouer à l'entrée. Il est arrivé avec ça sur ma tête? Ah bah à un moment donné, je pense qu'il est atterri dessus. C'est la première fois que je vois ça. Vous avez rien senti vraiment? C'est quand même incroyable, j'ai rien senti. Pourtant il est lourd, il est arrivé à tenir sur ma tête en plus. Là il est. Non, il était dans l'autre sens. Il était comme ça. C'est pas vrai, non, je suis plus compris. J'ai pas réussi à me retenir. Non, c'est juste une blague, on fait des caméras cachées. Oh. Ah, je suis. Oh. Ah, je suis. Oh, c'est trop bon. Ah, je faisais. Oh, je suis trop longtemps. Oh, oh, putain, qu'est-ce que c'est bon. Soit ton podium. Yes! J'ai trouvé l'eau, mon gars! Yes! Mon gars! Les tacoums! Excusez-moi, monsieur, je cherche le cinéma Gaumont Pâté. Pour traverser. en biais par là. Mais c'est pas très loin. Hein. Donc c'est. C'est tout droit tout droit et puis au deuxième feu où tourner à gauche. Donc c'est à peu près à quelle distance? 500 mètres, un peu comme ça, 600 mètres. À l'angle, vous avez la salle de liberté et derrière. tout droit et deuxième. Excuse-moi.
Police nationale, oui. C'est pour vous prévenir, je suis bien avec le suspect qui a des dreads et une doudoune. Et je suis quasiment sûr que c'est lui, c'est Xavier Dupont de Ligonnès. Il a fait de la chirurgie esthétique. Il est méconnaissable, hein. Alors là, il faut vraiment avoir l'œil pour le reconnaître avec ses dreadlocks et ses lunettes, mais... Mais bravo. Bonjour. Vous faites galette saucisse, hein? Oui, bien sûr. Et je vais prendre juste une galette, parce que j'ai déjà la grosse saucisse. Ah, ça me tue, pardon. Je mets juste une galette comme ça. Une galette. Pas de beurre non plus? Non, j'ai déjà ce qu'il faut. Salut. Hein? Là, je vais te proposer de savoir si tu cherchais de la coupe ou quoi. Non? J'ai les 2-3 grammes. Attends, je cherche rien. Tiens, regarde, c'est de la coupe téléphone. Bah, c'est de la bonne, c'est de la rhinoshine. Tu me prends pour qui là? J'ai l'air d'un clochard. Mais c'est de la coupe téléphone. Je suis pas un toxico. Mais c'est de la coupe téléphone, c'est pas de la drogue. De quoi tu me parles là? Bah de la coke. De la coupe téléphone. La coquille. Non. Tu parles à la coquille. La coquille. Faut dire la coke comme un con. Putain, t'as des enfants toi. J'en ai à foutre d'une coque de téléphone, j'ai l'air d'être vendeur ici. Mais c'est de la bonne. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre après... de ta coquille de merde? C'est de la rhinoshine. C'est ça que je te demande. Mais c'est de la rhinoshine. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Tu m'as pris pour qui là? Bah. Pour ta pute? Bah je demande. Putain! Clochard! Rhino Shield! C'était de la coquille. Il fallait pas s'énerver comme ça. Bonsoir messieurs! Vous êtes abonné à la chaîne ou pas? Laquelle? Les Inachevés? Ah non, c'est vous qui laquelle? Ouais. Ah ouais, c'est vous, ah ouais. Monsieur est abonné? Non mais la... Attends, dernière fois, ouais, c'est vous? C'est bon, c'était, on était en vélo. La pipe? Parfait. Allez, moi, c'était la quinquette. Je crois que la moitié des c'est dans le comico de Rennes. Le problème, c'est qu'ici, à cause. C'est compliqué. Ouais, c'est ça. Mais vous direz à vos collègues de vous abonner. Hein. Ça marche? Ils sont déjà tous abonnés. Et d'activer la petite cloche. Je pense qu'on est déjà tous. Ça marche. Bonne soirée. Juste là en fait, bonjour. Ah bonjour, vous êtes la personne du bon coin? C'est ça. Bonjour. J'étais là tout à l'heure en fait. Excusez-moi, je savais pas que c'était vous. On va mettre ça là si vous voulez. Ouais, il n'y a pas de problème. Hop là. Bon, elle est complète? Elle est toute neuve, elle est même pas déballée. Voilà. Je vous envoie... Ça fera plaisir à vos enfants, j'espère. Oui, ou à vous également. En fait, le truc c'est que j'en avais une et elle m'a lâché il y a une semaine. D'accord. Donc forcément les gosses, ah vous pouvez jouer à Fortnite. Là, ça tombe bien pour Noël. Voilà, exactement. Oh, c'est parfait, monsieur. Hein? C'est parfait. C'est parfait. C'est cadeau. Ah bon? Ça me fait plaisir. Vous êtes sûr? C'est beau cadeau de Noël. Non, mais si, je vous donne de l'argent, là. Non, ça me fait plaisir, monsieur. Vous direz à vos enfants que le Père Noël existe toujours. Ah bah, il existe toujours, hein. C'est sûr, mais il y a bien une Xbox dedans, ou... Ah, vous pouvez vérifier. Je me suis pas amusé à tout rattacher pour pas mettre de Xbox, monsieur. Si je vous dis que c'est offert, c'est que c'est offert. Ah non, ça, je comprends pas. Pourquoi c'est offert? La magie de Noël. Ouais. J'ai un peu de mal à y croire. J'ai un peu de mal à y croire. Vous, croyez, vous avez trop vieilli, monsieur? Ah, j'ai trop vieilli, je pense, ouais. J'ai trop vieilli. Ouvrez-la si vous voulez. Ah, c'est non, ça, mais c'est je vous fais confiance, mais du coup, ça me fait mal au cœur. Je peux, vous voyez, je pense que vous devriez l'offrir à quelqu'un d'autre. Ah non, ça me fait plaisir. Non, non. Vraiment, ah non. Le destin vous a choisi, monsieur. L'Xbox de vos enfants est tombée en panne. Ça me fait plaisir de vous l'offrir. Vous êtes sûr? Je suis sûr et certain. Ça me fait vraiment... Je suis encore plus heureux que vous que de la recevoir. Ça, moi, ce qui me fait plaisir, c'est de l'offrir. Ah bon, bah écoutez, je suis un peu gêné, mais... Il faut pas, monsieur. Bah, c'est si. La magie de Noël. Ouais. Et... Je suis vraiment très gêné. Non, c'est vrai. Y a pas de... Elle est complète, toute neuve. Les enfants, ils pourront l'ouvrir sous le sapin, comme si vous l'aviez acheté à la FNAC.
je suis vraiment gêné. Pourquoi, monsieur ? Bah parce que je me dis qu'une petite base comme ça, moi j'ai un peu les moyens de me l'offrir et je pense qu'il y a des gens qui eux n'ont pas les moyens qui pourraient. C'est pas grave, monsieur. Non, bah très honnêtement, je vais vous la laisser. C'est vrai ? Ouais, parce que moi j'ai. Si vraiment c'est le cas, enfin moi, j'ai la chance de pouvoir le. Oh, c'est un très de beau. Pouvoir me la payer. C'est un très beau geste. Donc si vous pouvez l'offrir à quelqu'un qui lui n'a pas la moyen. Moi je vous fais un petit câlin. Ah, c'est bon, je vous remercie. Par contre, c'est gentil, Père Noël. Ça marche. Offrez à quelqu'un qui en a vraiment besoin. En tout cas, c'est très gentil, monsieur. Il n'y a pas de soucis.